Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons réaliser ensemble un gâteau magique au flan caramel et à la noix de coco. Alors, pour réaliser la recette, j'ai ici une boîte de lait concentré sucré. Et avec la boîte, je vais mesurer le lait, un sachet de sucre vanillé, 3 œufs et 125 g de cacao de noix de coco. Ensuite, on va réaliser le caramel. Pour le caramel, j'ai ici dans une casserole 120 g de sucre avec 40 ml d'eau. Voilà. Pour commencer, on va réaliser d'abord le caramel. Dans la casserole, je vais verser les 40 g d'eau. Et on y va au fourneau jusqu'à ce que le sucre devienne caramel, une couleur bien dorée. Juste une remarque, quand vous réalisez le caramel, évitez de mélanger avec la cuillère. Donc, on le laisse comme ça, tel qu'il est, jusqu'à ce qu'il devienne bien doré. Et voici maintenant notre caramel, il est bien prêt, bien doré. Donc, je retire du fourneau. Ensuite, je le déplace dans un moule qui va au four. Donc, dans cette recette, j'utilise un moule à silicone. Chez vous, vous pouvez utiliser n'importe quel type de moule que vous avez. Donc, le caramel se refroidit très vite. Donc, voilà. Voilà, j'essaie de l'étaler un peu partout. Comme ça. Et maintenant, je le mets de côté. Passons maintenant à la réalisation de notre flan à la noix de coco. Je casse les 3 œufs dans le bol. J'ajoute ensuite le sachet de sucre vanillé avec la boîte de lait concentré. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, je mets la boîte. Ensuite, avec la même boîte, je la remplis avec le lait. C'est facile comme mesure, hein. Voilà, je mets le lait, comme ça. Je mélange bien à l'aide de mon fouet, jusqu'à ce que ça soit bien homogène. Voilà, ensuite j'ajoute les 125 g de noix de coco. C'est cette quantité de noix de coco qui va permettre de réaliser une petite couche qui ressemble à une génoise à notre gâteau. C'est pour ça qu'il s'appelle gâteau magique. Voilà, tout simplement. On mélange le tout bien. Ensuite, directement, on va le verser sur le moule qu'on a mis le caramel dedans. C'est facile comme recette. Voilà, je ramène ma spatule. Et je verse toute la quantité sur le moule. C'est exactement la quantité souhaitée. Voilà. Comme vous voyez, j'ai ici un autre plateau. Ce plateau, je vais le remplir avec de l'eau pour une cuisson à vapeur. Voilà, j'ai ici de l'eau bouillante pour accélérer la cuisson. Donc, je remplis le plateau.
Je le remplis à moitié. Voilà, comme ça. Et c'est parti au four à 180 degrés, environ 40 à 45 minutes de cuisson. Voici notre gâteau, venez de sortir du four. Je le laisse complètement refroidir. Ensuite, je le mets au frigo minimum 2 heures avant de le renverser. Voilà. Voici notre gâteau maintenant est bien froid. On va le renverser, on va le démolir. Maman! Oui, arrête. Maman! Maman! Et enlève le moule. Hop. Et le voici. Maman, voilà notre maman, gâteau, maman, comme vous voyez. On coupe maintenant un petit morceau. Donc pour juste montrer l'intérieur, comment le morceau il est. Et voici notre gâteau magique au caramel noix de coco. Comme vous voyez, on a une couche, une sorte de génoise à la noix de coco et le flan caramel bien en haut. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, laisser un commentaire et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.